Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au taquet comme d'habitude les amis. Donc on va se retrouver cette fois-ci pour une nouvelle session pluvieuse, orageuse. Voilà, donc nous sommes très exactement le 20 juin 2021 et il pleut pas mal. Mais bon, on va quand même prendre soin du poisson, continuer toujours à faire de belles prises avec une grande précaution pour le relâcher à l'eau, vraiment le manipuler très peu possible, en essayant de faire des belles photos dans l'épuisette. On va essayer de gérer ça comme on peut, vraiment pour essayer de préserver ce poisson qui nous est tendre, la truite Fario, les amis. Voilà, ça a l'air de vouloir se calmer un petit peu. J'espère qu'on va quand même taper quelques poissons, sachant que c'est quand même assez orageux. Donc généralement, vous savez comment c'est. Quand c'est orageux, ça promet une belle session, les amis. Donc voilà, on va se retrouver au bord de l'eau dans quelques instants. On continue toujours avec le soutien, les amis, le pouce bleu, les commentaires en dessous et les abonnements qui font du bien. On avance, les amis. Franchement, ça fait plaisir. La chaîne est soutenue. J'ai pas mal de bons retours ces derniers temps. On continue comme ça, les potos. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle vidéo, un bon visionnage. Et on se retrouve au bord de l'eau, les potos. Bon, let's go les amis, j'ai pu mettre la caméra tout simplement parce que ça s'est arrêté de pleuvoir. Je suis bien content parce qu'en plus à peine arrivé j'ai vu poisson. Je me dis qu'avec le petit coup d'eau là, le côté orageux, putain, si ça peut taper 2-3 truites, ça pourrait être sympa les amis. Hein. Mais regardez déjà le décor de rêve. Vous voyez, on voit l'espèce de buée qui remonte au-dessus de l'eau en pleine surface là, c'est magnifique. Parce qu'avec la chaleur, forcément, ça remonte un petit peu la condensation. Voilà les amis. Bon, les eaux sont basses quand même, hein, mais... Voilà. Il y a des gentiments. Alors ici, c'est extrêmement glissant. Alors ça, c'est un truc là. Vous voyez, le plus simple pour décrocher, vous ne faites pas chier, vous pétez la branche, sans moi vous êtes tranquille. Voilà. Bah. Allez. On avance gentiment, sans faire trop de bruit. Je pense pas que ça a été trop fréquenté ces derniers temps, les amis, là. Ce qui veut dire que si le poisson a faim, qu'il a envie de chasser, il y a moyen de sortir de sa cachette. Vous voyez ? Ça fait un moment que j'avais pas pêché, j'irai bien 2 semaines en plus. Je suis un peu impatient. Yeah! Beau poisson, je l'ai vu au dernier moment. Super. Pas très gros, mais poisson quand même. Ah bah, décroché, tiens. Devant moi, c'est pas grave. Joli poisson, ça faisait un petit 30. Ouais, un petit 30. Super. Nickel, c'est ce qu'on cherche en plus, des piquets quasiment au niveau de l'épuisette. Ça préserve, c'est fait propre, c'est nickel. Putain, elle a hésité à taper, au dernier moment elle a pris. Magnifique. Super poisson. Poisson. Super. Hop là. Génial. Pas gros mais poisson. Mais joli quand même, les amis.
très joli poisson. Allez, c'est reparti gentiment. Magnifique. Magnifique. Beau petit poissonneux. Tapez là. Dernier moment. Poisson qui devait faire 30 à peu près. Ça va bien que ça suivait. Un peu au dernier moment, je l'ai vu attaquer. Idéal. Un peu plus de mou, comme ça. N'hésitez pas à donner un peu de gras quand vous faites des lancers assez précis pour pouvoir être... L'avantage aussi de faire des grands lancers, c'est que vous avez moins de chances de vous faire voir par le poisson, quoi. Forcément. Alors, je vous le répète, c'est extrêmement glissant. Ah, il y a une immense pierre à gauche, comme vous voyez, là, en face de moi, sur la gauche. Ah, c'est pas compliqué, hein, si ça se cache, c'est juste devant, comme ça. Vous voyez, elle y est. C'était dit. Magnifique, les amis. Magnifique. Magnifique. C'est pas très gros, mais c'est pas mal. Magnifique. Elle y est. Sublime poisson. Blime poisson. Pas très gros, mais il m'a mis une pétée, les amis. Magnifique. Sublime poisson. Super poisson. Vous allez voir ça. On va essayer de la décrocher, ça va faire un bon petit 30. Dépiquer comme il faut. Hop. Allez voir, super poisson, magnifique. Oui. Et je pense qu'on va lui faire une petite remise à l'eau. Ok, splendide remise à l'eau. Intéressante, les amis. J'ai changé de batterie parce que j'avais quasiment plus sur la première. Voilà, voilà. Donc on va essayer de faire un joli poisson. Ok. Pareil, un temps encore toujours orageux. Oh là là, c'est pas mal du tout, hein, les amis. C'est vraiment pas mal. Hein. J'ai fait un loupé dans l'épuisette, quasiment une prise. Et une autre prise, c'était de plus en plus gros. Donc, espérer que ça fasse crescendo, comme on dit. On va se cacher derrière la roche, ouais, obstacle, cachez-vous derrière. Comme ça, vous faites travailler le leurre en passant vraiment dessus. Tout simplement.
Elle y est. Pas très gros. Magnifique quand même. Regardez-moi ça. Regardez, on va faire une décroche vrai no kill. Normalement, ça va le faire. Voilà. Décrochez, les amis. La magie de l'hameçon simple sans ardillon. Hein, vous voyez, c'est génial. Ce qui est de l'amour. Comme dirait notre cher Patrick Sébastien, c'est super. Alors, c'est pareil, encore une fois, hein, l'avantage des petites cannes. Hein. Moi, je trouve que je suis vachement plus précis au leurre en ultra léger, forcément. Il y en a qui me disent dans les grands axes, tout ça, pour le gentil jeter plus loin, ou manipuler, privilégier des cannes qui font 2 mètres, 1 m 90, 80. Non, moi, je ne cautionne pas ça pour une grande précision au leurre. Après, voilà, moi, la cuillère Vibrax 4, c'est un leurre lourd. C'est une cuillère qui est lourde, qui permet vraiment de l'acheter avec précision. J'insiste bien encore là-dessus. Hein. Et c'est l'avantage d'être précis avec la Vibrax en numéro 4 ou même 5, hein, c'est que vraiment vous pouvez la manipuler au lancer comme vous voulez. Hein. Enfin, c'est quand même assez précis, hein, franchement. Voilà les poteaux. Donc je tenais à le stipuler, tout simplement. Je vais essayer de ne pas me recasser la gueule dans l'eau. Des fois toujours d'être trop pressé. C'est magnifique, c'est que de l'amour, c'est génial.